Il y a peu, le palais de Buckingham a révélé que le roi d'Angleterre, Charles III, fait face actuellement à des problèmes de santé. Le fils de la défunte reine Elisabeth II est atteint d'une forme de cancer, selon les informations reçues. Suite à cette nouvelle, le prince Harry s'était rendu au chevet de son père, mais n'y serait resté que quelques minutes. Le compagnon de Meghan Markle a, par la suite, pris l'avion pour retourner aux États-Unis. Et à peine rentré de Londres, il a fait une apparition surprise lors d'un grand événement sportif, sans pour autant donner des nouvelles sur son père. Le prince Harry reprend du service Buckingham Palace a, récemment, annoncé une nouvelle assez préoccupante concernant Charles III. Dans un communiqué, il a été révélé que le roi d'Angleterre est atteint d'une forme de cancer. Comme l'indique le dit communiqué, cette maladie a été constatée lors d'une opération de la prostate que le monarque avait dû subir. Face à ce problème de santé, Charles III a entamé une série de traitements. Fort heureusement, dans cette période difficile, le roi peut notamment compter sur le soutien de ses proches, dont celui du prince Harry. Celui qui vit aujourd'hui aux États-Unis s'est rendu auprès de son père afin de le soutenir. Il est allé à Londres, seul, pendant que son épouse, Meghan Markle, et leurs deux enfants sont restés en Amérique. Cependant, le prince Harry n'est pas resté longtemps au chevet du roi d'Angleterre. Il n'est resté que 24 heures à Londres, avant de repartir pour les États-Unis. Et à peine rentré des terres anglaises, le fils de Lady Diana a fait une apparition surprise dans un événement sportif. En effet, le prince Harry a été vu au NFL Honors, ce jeudi 8 février 2024. Il est venu remettre le prix de l'homme de l'année à Cameron Hayward. Le prince Harry @Getty Images. Le duc de Sussex est resté silencieux sur l'état de santé de son père. Bien évidemment, le prince Harry a fait un petit discours lors de cette remise de prix. Cependant, le mari de Meghan Markle n'a, en aucun cas, évoqué l'état de santé de son père. Il a préféré se concentrer sur cet événement. Il a ainsi évoqué son admiration envers les joueurs. Mais surtout envers Cameron Hayward, élu homme de l'année, vous êtes des modèles pour des millions de personnes dans la manière dont vous vous comportez et dans la manière dont vous redonnez. Point, et il y a un homme spécial à qui nous aimerions rendre hommage. Un joueur qui va au-delà de ses attentes et dont l'extraordinaire engagement à aider les autres est le reflet de sa propre histoire. Des propos qui ont touché Cameron Hayward. Ce dernier semblait halluciné du fait que le prince Harry lui ait remis le prix. Il a déclaré, « Mec, je suis sous le choc. Si est-il le prince Harry, cette apparition du duc de Sussex au NFL Honors montre à quel point il est passionné de sport. » Pour l'heure, le chéri de Meghan Markle n'a donc pas publiquement parlé de l'état de santé de Charles III. Just me.